Bonjour à tous, bienvenue à ce 19e sommet du cinéma d'animation. Mon nom est Marco Deblois, directeur artistique des sommets et surtout bienvenue dans le monde enchanté de l'Internet, car cette rencontre inaugure la série d'événements en ligne que nous aurons cette semaine. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de rencontrer l'artiste, le réalisateur qui a créé d'extraordinaires visuels des sommets cette année, Patrick Bouchard. J'aimerais tout d'abord préciser que cette rencontre est présentée en collaboration avec Téléfilm Canada, l'école NAD-UQAC et l'Office national du film du Canada. Vous voyez derrière moi donc la sculpture immense qui a servi de base à l'affiche des sommets et donc qui a lancé cette création à la fois de l'affiche et de la bande-annonce. Pour ma part, j'ai suivi le travail de Patrick depuis le début. J'aimerais d'ailleurs saluer ma collègue et amie Anne-Marie Bousquet de l'Office national du film, qui a de son côté avec moi donc suivi le travail de Patrick. Patrick nous envoyait des images continuellement et puis nous on était waouh, on était vraiment épatés. Et j'aimerais également souligner que la bande-annonce, si elle existe, ben, c'est grâce au soutien de l'Office national du film du Canada, qui en est le producteur. Patrick Bouchard, salut. Salut, Salut, bonjour à tous. comment vas-tu en cette ère de confinement? Ça va plutôt bien. Je peux pas dire que ça se passe bien. Moi, pour moi, c'est sûr que la deuxième vague, je trouve, est un petit peu comme à peu près tout le monde, frappe un peu plus fort, mais ça va. Je veux dire, on mange bien, on dort bien, tout le monde reste heureux en famille. C'est ce qui est On le passe plus bien à travers. important. Patrick, on va raconter peut-être l'histoire de ta vie durant la dernière année, je pense, pendant la prochaine demi-heure. En décembre 2019, Marcel Jean et moi, on t'a invité à luncher pour te proposer de signer le visuel des sommets de 2020. On voulait avoir une signature en volume. Et ton nom s'imposait parce que ta signature est très, très, très forte. Et là, donc, ça, c'est 2 mois avant l'éclatement de la pandémie. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette rencontre? Comment toi, tu avais perçu l'invitation? C'était quoi les premières idées, même embryonnaires, que tu avais dans ta tête à ce moment-là? Bien, évidemment, bon, la COVID n'était pas encore sur le sur cette n'était pas encore arrivée au pays. Donc, les premières idées qui ont émergé, évidemment, se faisaient dans un contexte autre que celui donc, dans lequel j'ai dû travailler par la force des choses. J'avais des idées de grandeur un peu. Mais reste que Et c'était quoi tes idées précisément à ce moment-là? Ben, c'était très. En fait, je pensais beaucoup utiliser en fait, je voulais approcher l'ONF pour pouvoir probablement tourner dans leur studio, parce qu'évidemment, stop motion égale studio, éclairage et besoins techniques autres que d'autres types d'animation. Je voulais donc travailler beaucoup avec le robot. On a un robot qui fait des mouvements qu'on peut programmer, qui est fait spécialement pour faire l'animation, un motion control. Et puis, bon, j'avais toutes sortes d'idées, des sculptures où je vais faire le tour et animer un peu. Je voulais, entre autres, je sais qu'à un moment donné, ça m'a passé par la tête de construire une sorte de navire avec toutes sortes de trucs qui s'animent sur ça et puis faire le tour un peu, une espèce de bateau qu'il ne faut pas rater. Il y a eu toutes sortes de concepts. Il y a eu des trucs plus conceptuels aussi. Il y avait un essai aussi que je voulais peut-être qui faisait partie de mes premières idées. Un essai avec des
En fait, ce sont des tubes de plexiglas avec des objets à l'intérieur. Puis, bon, tout ça est un peu lié à l'animation. C'est un peu, je veux pas y étaler, bon, toutes les idées, là, toutes les étaler comme ça. T'étais en ébullition. Oui, ben, en fait, ouais. C'est ça. C'est que là, il y avait beaucoup de possibilités parce que, bon, ouais. Faire un 30 secondes, c'est quand même vraiment le fun parce que c'est court. On sait que c'est une courte production. Donc, puis ça permet, puis bon, on parle des sommets de l'animation, alors là, ça ouvre un paquet de portes, là, tu sais, tout est possible, là, on peut flyer loin avec ça, l'idée des sommets. Mais c'est ça, j'ai le sentiment que, bon, on a commencé à entendre beaucoup parler de l'épidémie, de la pandémie en février, le confinement est survenu en mars, et là, j'imagine que tout à coup, il y a une idée qui s'est cristallisée, mais très, très, très rapidement dans ton esprit. Est-ce que je me trompe? Oui, bien, ce qui est arrivé, c'est, évidemment, je m'hésitais de grandeur, je ne pouvais plus se réaliser parce que j'avais plus accès au studio comme je l'aurais souhaité. Alors là, je me suis retrouvé avec, qu'est-ce que je fais, dans quel contexte je travaille, parce que je tenais quand même à faire le travail et bien le faire. Donc, c'est en discutant comme ça, à un moment donné, à ce moment-là, c'était Julie Roy qui au début, là, c'était mon premier contact avec l'ONF. Puis en discutant, on s'est rendu compte que, bon, peut-être que ça pourrait se faire dans un contexte. En fait, utiliser le contexte de la pandémie et du confinement pour, en fait, comme leitmotiv, pour être capable de pouvoir produire quelque chose qui finalement est le reflet de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Alors, on s'est servi de ça, on s'est servi du contexte pour créer, pour avoir des nouvelles idées, mais pour. C'était une contrainte aussi, c'est devenu une nouvelle contrainte. Alors. Excusez-moi, c'est moi qui. Je vais juste. Je pense que c'est moi. C'est la fée clochette, alors il faut tourner la page. Donc, c'est ça, ça a servi de leitmotiv, en fait. Alors, j'ai dit, bon, comment je fais? J'ai un atelier de travail, c'est là qu'on est. Oui, bien, c'est ça. C'est ton atelier, c'est là où tu as créé l'affiche et tourné la bande-annonce. Donc, c'est ça. Moi, ici, je fais à peu près tout pour ma maison, d'une part. Je suis dans ma propre maison. Alors, c'est sûr que je bricole pour ma maison. Je construis des meubles, des sortes de petits trucs comme ça. Mais moi, avec le temps, moi, je suis un peu un ramasseux de toutes sortes de petits bidules. Surtout, j'aime beaucoup la quincaillerie, la vieille quincaillerie, des petites pièces de métal que je ramasse, puis que je mets dans des boîtes. Puis, tu sais, quand je coupe du bois, ben je ramasse mes retailles, puis je les mets dans un bac, là, je jette presque rien. Donc, je me retrouve avec beaucoup de stocks qui, à un moment donné, finissent par me servir. Et là, donc, ça a été ça. Je suis parti de ça. J'ai regardé ce que j'avais comme matériel. J'ai dit, bon, ben écoute, je suis en confinement. Je vais travailler dans mon sous-sol. Donc, mes idées de grandeur deviennent de petites idées qui doivent être réalisables. Et c'est comme ça que l'idée a germé, hein, l'idée de, à un moment donné, de faire des... Il y a eu d'abord l'affiche. Il fallait faire un visuel intéressant pour l'affiche. Et donc, j'ai dit, bon, j'ai du bois, j'ai des outils. Je suis quand même bien outillé ici. J'ai plein de fonds de peinture, de toutes sortes de la peinture, de la teinture. Je pense que j'ai toutes les couleurs inimaginables. J'ai dit, ben pourquoi pas commencer avec ça? Je trouve que c'est une bonne base. J'ai la matière. Alors, pourquoi pas composer avec la matière? Je n'aurais pas besoin de sortir de chez moi. Donc, c'est comme ça que l'idée a germé. J'ai commencé à couper du bois, à découper j'ai fait des premiers croquis, des premiers sketchs pour le lettrage des sommets. Quelque chose d'un peu ludique, mais en même temps, puis utiliser toutes sortes de caractères, toutes sortes de caractères d'écriture, de police d'écriture, si on veut. Donc, c'est comme ça que ça s'est traduit au départ. Alors, j'ai commencé à découper chacune des lettres une par une avec ma scie à ruban sur des morceaux de bois différents, de différentes épaisseurs. Et je suis parti un peu de l'idée que ce lettrage-là devait être un peu des lettres, comme les anciennes lettres d'imprimerie qui étaient en bois avec une certaine épaisseur. Et puis, bon, donc
ça a été ça un peu l'idée de départ. Donc, j'ai fait des pièces de bois qui allaient s'agencer ensemble pour donner finalement un tout assez homogène, en fait, malgré que tout soit un peu disparate, tout est homogène. Et toute l'idée des portes est venue par la suite. Là. J'ai construit une grande porte, format affiche. J'ai construit une grande porte avec plein de petites portes. Puis c'est vraiment c'est un travail en progression qui s'est fait. À un moment donné, j'ai dit, bon, il y a des petites portes, mais il y a quelque chose par rapport au... Parce que le confinement, évidemment, on est un peu... les portes sont fermées. Ouais. Mais il y a aussi... il y a un personnage, Patrick. Oui, il y a des portes, c'est manifeste, mais il y a un personnage dans ton visuel qui rend ce que tu as fait particulièrement émouvant. C'est la lumière. C'est la lumière, effectivement, devient prend un tout autre sens dans le contexte. Donc, je trouvais ça intéressant quand même que les portes ne soient pas tous fermées. Il fallait quand même ouvrir pour donner une forme de l'espoir, mais une vision d'avenir peut-être un peu aussi, voir un peu plus loin, l'autre côté de la porte. Puis écoute, ça se peut que la lumière soit là. Alors, c'était ça, tout simplement. C'est un concept qui est très simple, mais qui, je pense, collait bien à la première vague, colle encore mieux à la seconde vague. Alors, on te connaît pour tes courts-métrages majeurs, comme par exemple Le Sujet, Bigelow. Est-ce qu'il t'arrive souvent de faire des travaux de commande ou c'est une des premières fois que tu fais un travail de commande? Je te pose la question parce que tu as fait ça avec tellement de conviction que tu as fait quelque chose de très, très ressenti. Est-ce que donc c'est une des premières fois que tu faisais des films de commande ou une œuvre de commande? Dans le contexte d'une bande-annonce comme telle, je pense que c'est la première, peut-être la deuxième fois que je fais ça ou trop. Mais j'ai signé deux cartes de Noël de l'ONF, des cartes de Noël qu'on envoie, qui sont virtuelles, mais qui sont vraiment, en fait, c'est des petits courts-métrages, c'est un peu le même principe. Alors c'est une forme de commande, c'était des commandes, en fait. Donc, ça s'est fait un peu sur le même principe, petit court-métrage qui, finalement, raconte une histoire, ou en tout cas, dans le contexte de Noël, et puis... puis j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Ça m'a rappelé un peu, quand j'ai fait la bande-annonce pour les sommets, ça m'a rappelé un peu ce contexte-là. Tu sais, on est souvent, disons, un petit peu moins de budget peut-être que dans des grosses des productions plus importantes, évidemment, mais bon, il y a ça, mais il y a aussi une question de budget, mais une question aussi de temps de tournage, de temps de production. Là. Tu ne peux pas t'attarder pour un 30 secondes. Il faut quand même, parce que tu sais, ce que j'ai tourné, le 30 secondes qu'on a vu tout à l'heure, en réalité, ça s'est tourné en deux jours. Le tournage, bien sûr, pour faire un tournage en deux jours, c'est tout le travail de préparation qu'il y a avant qui est la clé. Puis c'est ça que j'ai fait. Là. C'est les deux mois avant, c'est ça que j'ai fait. C'est ce travail confiné ici, ça a été la construction, la conception d'abord. ça paraît simple, mais bon, il faut que tout ça, ça fonctionne. Il faut que tout ça, ça s'emboîte, puis que ça rentre dans un 30 secondes. Avec de la vraie matière, c'est toute la vraie matière. Il faut que tout ça, toutes les modules mécaniquement s'emboîtent un dans l'autre, puis que tout ça fonctionne puis tout ça construit avec rien, avec des bouts de bois un peu tout croche, puis... Patrick, si tu le veux bien, bon, on a des images qui nous permettent de voir, de visualiser donc ton parcours au fil de la dernière année. Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'on va voir? Oui, absolument. En fait, il y a il va y avoir des photos puis des courtes vidéos. Parce qu'on va voir, je pense que les trois premières, c'est des photos, qui sont simplement des photos de... Justement, de ce que je parlais tout à l'heure, la construction, la découpe du lettrage, c'est un peu les étapes, là, on voit où, les étapes de la construction un peu au niveau de l'affiche. Je crois qu'il y a aussi peut-être une image pendant la prise de photo, parce qu'il a fallu faire une affiche avec la sculpture, donc la prendre en photo, avec Yannick Grandmont, qui est venu me donner un coup de main, qui est de l'ONF.
Ensuite, il y a des courtes vidéos aussi qui sont des stories qui ont été faites dans un cadre promotionnel. C'est des courtes stories qui ont été faites. Je pense qu'on va en avoir une ou deux. C'est drôle, c'est mon garçon qui, dans le contexte justement du confinement, et c'est mon garçon qui vient m'interviewer, qui vient me demander. Donc, bon, on a fait ça un peu humoristique, là, un peu léger, mais donc, je pense qu'on va voir deux de ces stories. Et il va y avoir aussi des images du storyboard. Ça, c'est en 5, 6, 7e image que vous allez voir. C'est des images de. En fait, c'est pas un storyboard. Parce que le mot est trop gros, trop fort. Mais c'est vrai que c'est... En fait, tout ce que c'est, ce sont des sketchs pour que juste moi qui comprends. Et c'est des sketchs, en fait, qui servaient à vraiment ce que je puisse... bien visualiser, justement, chacun des mouvements avec des notes un peu à gauche, à droite. Donc, c'est pas, faut pas voir la qualité du dessin. Faut pas voir... C'est un peu, en fait, c'est des notes personnelles. Puis je t'ai envoyé ça, Marco, quand tu m'as demandé si j'avais du visuel. Puis je t'ai envoyé ça, j'avoue que c'était un peu audacieux de ma part. Il n'y a pas beaucoup de producteurs qui diraient que ça passe. Mais avec ton œil, tu as bien compris que c'était. L'important, c'était que moi, je comprenne, je me comprenne. Alors, c'est on va voir comme ça deux, trois parties de storyboard, si on veut. C'est un peu ça, dans le fond, qu'on va voir. C'est seulement un petit peu de visuel. Là. Je crois que ça dure à peu près 2 minutes, le montage. Ouais. Alors, nous passons maintenant à la présentation des éléments visuels. Ouais, ça serait lui là qui. Tu peux y aller, mais là tu vas faire beaucoup d'ombre. Ouais. Regarde, je vais juste. Je vais leur mettre où il était. Je vais essayer quelque chose. Ça me permettait là, de. Tu sais, j'avais ici là, mon petit liste. Ça me permettait de voir, savoir où je. Fait que je mettais des petits bois en dessous là, pour que ça tienne. Puis, écoute, c'est tout fait. C'est vraiment artisanal. Jusqu'à dans les moindres détails. Là. Puis la caméra faisait. La caméra faisait un mouvement arrière à ce moment-là. Donc, c'est ça qui était difficile, c'est de combiner les deux mouvements ensemble pour que ça soit fluide. Parce que ça, vu que c'est fait à la main, c'est pas c'est un mouvement mécanique, mais qui est quand même, qui reste un peu aléatoire vu que c'est fait à la main, tu sais. Puis, ici, le mouvement de caméra, ben, c'est sur un système de vis sans fin, mais c'est ça, c'était de synchroniser les deux qui était difficile. Rebonjour à tous. C'était tout à fait passionnant, les documents qu'on vient de voir. Après cette deuxième partie de la discussion, on aura le plaisir donc de Patrick aura le plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez donc les formuler dans le fil Facebook. Patrick, j'aimerais maintenant qu'on parle plus précisément de la bande-annonce elle-même. L'affiche et la bande-annonce sont assez proches du point de vue stylistique, mais en même temps
très différentes l'une de l'autre. Mais il y a quand même des rapprochements à faire, mais je me demandais, est-ce que dès le début, pour toi, le concept de l'affiche et de la bande-annonce était clairement défini ou est-ce que la bande-annonce, tu y as réfléchi et pensé après avoir fait l'affiche? Comment tu as réussi à détacher l'affiche de la bande-annonce et vice-versa? Je dirais que l'affiche a inspiré, je pense, l'affiche a inspiré vraiment la bande-annonce. C'était vraiment l'idée des... Parce que, bon, après avoir fait tout ce travail-là manuel de construction pour l'affiche, et puis, bon, des portes qui s'ouvrent, hein, parce qu'il y a vraiment des portes qui s'ouvrent et tout, là, dans ce... Déjà, on voyait, tu sais, je voyais déjà une possibilité... au niveau de l'animation, au niveau du mouvement, j'ai dit, il y a déjà quelque chose d'intéressant. Même à partir de l'affiche, j'aurais pu, si j'avais eu la possibilité d'avoir une caméra qui puisse se déplacer ou avec des appareils quelconques, là, mais déjà l'affiche aurait pu servir presque de décor. On aurait pu se déplacer à l'intérieur de l'affiche. Bon, évidemment, je trouvais plus intéressant qu'on entre dans un lieu, créer vraiment des lieux, des espaces confinés, on va dire ça comme ça, des espaces fermés dans lesquels je voulais qu'on en sorte. Pour moi, c'était plus logique, puis je trouvais ça... j'avais le goût aussi de le faire, dans un certain sens. Donc, c'est vrai que oui, ben, je dirais que c'est vraiment l'affiche qui a inspiré après. C'était pas tout à fait ça au départ que j'avais en tête, mais c'est venu de soi. Là. C'est un travail qui l'inspiration vient c'est en travaillant, puis en essayant, puis à un moment donné, tout quelque chose entre les mains. Je dis bon, mais quand j'ai fait mon premier module, j'ai dit bon, il va se déplacer comme ça, mais finalement, j'avais pas figuré nécessairement que ça allait être ce qu'on voit. Donc, tout ça, c'est vraiment fait au fur et à mesure. Il y a quelque chose de particulièrement remarquable, Patrick, dans la bande-annonce, c'est le rythme visuel. Bon, il y a la conception sonore d'Olivier Calvert, qui est aussi exceptionnelle, on y reviendra tout à l'heure, mais je trouve que le rythme visuel très rigoureux, très mécanique, je ne dis pas ça péjorativement, est remarquable dans la bande-annonce. Est-ce que ça représentait un défi, un nombre d'essais-erreurs, ou c'est quelque chose qui vient spontanément chez toi? Il y a quelque chose qui vient spontanément chez moi, c'est d'animer de manière... les mouvements sont toujours très lents. C'est très rare que je vais animer quelque chose de rapide. Il n'y a pas un animateur qui a le même... On dit le biorhythme, là. Il n'y a pas un animateur qui a la même rythmique, hein, au niveau de l'animation. Et bon, il y en a que c'est très, très rapide. Moi, j'aime sentir le mouvement. J'ai l'impression qu'on sent mieux la matière, mais aussi, non seulement qu'on sent mieux la matière, mais bon, on sent la masse. Ça donne, disons, plus de grandeur et de prestance à l'objet. Même si on sait que c'est petit, on a l'impression quand même que c'est quand même relativement lourd. Et si je prends par exemple, je suis retombé sur ça tout à l'heure, c'est la porte à la fin, c'est un morceau qui m'a resté. Mais bon, la porte est quand même, si elle ouvre très rapidement, on voit que c'est... Mais en l'ouvrant très lentement, on sent une épaisseur ici. On pourrait facilement finir par croire que c'est épais comme ça, cette porte-là. Alors... Moi, c'est ma façon de un peu d'articuler l'animation puis de le rendre. Là. C'est un peu ma façon à moi de. Puis ça, je pense que ça se voit à travers les films, mes films aussi. Donc, à partir de là, si j'avais animé très rapidement, j'aurais probablement que ça m'aurait pris 7-8 modules au lieu du nombre de modules. Parce que ça aurait pu être très rapide, hein, on aurait pu passer à travers 15 modules en 30 secondes. Mais je voulais justement laisser ce temps-là. Donc, c'est comme ça, moi, que j'ai calculé. C'est que je calcule qu'il va y avoir un mouvement, ça va durer environ 6 secondes. Ça va durer environ 7 secondes. Il y a les pauses, il y a toujours des pauses. Là, on a essayé quand même de les éviter dans ce cas-ci, mais souvent, les pauses aussi entrent en ligne de compte. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, bien, tu dis, je pense que là, on couvre 30 secondes. Je pense qu'on a assez de matériel pour faire quelque chose d'intéressant. Est-ce que...
Oui, est-ce que tu voudrais nous dire quelques mots au sujet du travail extraordinaire accompli par Olivier Calvert pour la conception sonore? Bon, Olivier et toi travaillez ensemble depuis déjà un certain temps. Est-ce que l'implication d'Olivier est arrivée assez tôt dans le processus ou la conception sonore d'Olivier a été écrite à la toute fin du tournage? Comment ça s'est passé? Oui, ben ça s'est passé. En fait, dès que j'avais du visuel, on fonctionne souvent comme ça, là. Quand j'ai assez de visuel, pré-montage, tout de suite, j'envoie ça du côté d'Olivier pour qu'il puisse. Parce qu'Olivier, c'est un collaborateur de longue date. Hein. J'ai fait tous mes films avec Olivier. Et puis, c'est quelqu'un qu'on n'a plus besoin beaucoup de se parler pour se comprendre. Je pense qu'on en est rendu là. On arrive à. Olivier comprend bien, connaît bien d'abord ce que j'aime, ma stylistique. Puis je pense que son travail aussi, lui, de la façon qu'il travaille, ça colle vraiment bien avec mon visuel, en règle générale. Donc, je lui ai envoyé ça. On a regardé ça ensemble, on s'assoit. Puis la façon qu'on a, en fait, la façon qu'on a travaillé, je pense que ça, c'est pertinent de le dire. Bon, on lance des idées. Olivier, bon, c'est le concepteur sonore, donc il va chercher toutes sortes de sons, puis on essaie des trucs. Puis à un moment donné, ça s'est imposé que chaque. Parce qu'en fait, il y a deux modules qui se déplacent qui, finalement, nous proposent cinq univers différents. Parce qu'un module qui vient se déplacer donne tout d'un coup, un autre, on est dans un autre lieu. Et puis, on s'est dit, Olivier et moi, que c'était un peu comme si. C'est un peu comme une suite de courts-métrages. C'est comme si on regardait toutes des. C'est un peu construit comme une suite de courts-métrages. Donc, on s'est dit, on va faire. Une suite de courts-métrages d'animation, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on passe d'un univers à un autre. C'est même parfois étourdissant. On s'est dit, bon, mais au niveau de la conception sonore, allons-y comme ça. Faisons tous des environnements qui. Donc, on est dans un environnement, il y a un déplacement et on tombe dans un autre environnement et puis ça nous donne une. Complètement une autre atmosphère. Ça contribue énormément à dynamiser, là, à dynamiser le document. Et puis, bon, puis Olivier, Olivier, quand on part sur un concept comme ça, c'est sûr que t'sais, c'est un concepteur sonore. C'est un beau terrain de jeu pour lui. Et puis, donc, ça s'est fait un peu dans cet esprit-là. Puis, bon, à la fin, à la finale, tout s'est super bien déroulé. On a juste eu à retoucher, disons, la finale en elle-même. Lorsque la porte s'ouvre, notre première proposition était moins intéressante, peut-être un peu trop, même trop ludique, je dirais. Donc, là, on est allé vraiment vers quelque chose qui. C'est selon la commande aussi, pour que le client soit satisfait. C'est qui les méchants qui vous ont fait changer ça? Ah, je sais pas, il est pas loin. Donc, donc en gros, c'est ça. Donc, ça s'est super bien passé, mais tu sais, c'est tellement important, là. Ça prend vie. Moi, à chaque fois, ça m'épate. Je pense que c'est ma partie favorite. C'est ma partie préférée, moi. La conception sonore, là, je trouve ça extraordinaire. Il faut dire que tu es musicien aussi, hein? Oui, j'ai une bonne sensibilité, je pense, au son, à la musique. Puis, on s'entend bien, en tout cas. Olivier et moi, on s'entend bien sur. Lorsqu'on s'assoit, puis qu'on fly ensemble, puis Olivier, il a des idées, écoute, c'est vraiment très cool. Patrick, on va voir la bande-annonce et ensuite on va inviter les gens qui nous écoutent. On me dit une cinquantaine de personnes tout à l'heure, c'est formidable. Donc, on va demander aux gens qui nous écoutent et nous regardent de poser des questions. Mais tout avant, j'aimerais savoir si toi, tu as un mot de la fin. Oui, ben, le mot de la fin, ça va être tout simple. Oups, pardon. C'est que j'ai juste. En fait, je veux remercier, parce que ça s'est pas fait tout seul, là. Ça a l'air. Je ne vais pas prendre le crédit de tout ça, là. Ça s'est fait vraiment. Bon, il y a eu la participation de l'ONF, mais je veux quand même nommer Yannick Grandmont, qui est venu m'aider au tournage parce que j'avais besoin d'une autre paire de mains. Yannick aussi, qui est venu pour la prise de photos, qui a travaillé la lumière. En tout cas, ça a été un collaborateur, pardon, vraiment, vraiment important. Il y a Éric Pouliot aussi, qui a fait des miracles. Bon,
y a des petits trucs qui fonctionnaient moins, mais là, ça fonctionne bien, puis on ne le voit pas. Alors, le travail était bien fait. Alors, merci, Eric. Olivier Calvert, dont on vient de parler pour la conception sonore, c'est toujours un plaisir de travailler ensemble. Puis, Anne-Marie Bousquet aussi, et Julie Roy aussi, parce que j'ai commencé avec Julie. C'est Julie qui a quand même ouvert la porte pour que je puisse accéder, que je puisse travailler donc avec l'ONF en collaboration, en production. Et enfin, juste dernière petite chose, merci Marco de Blois qui, écoute, c'était merveilleux de travailler avec toi, mais en fait, c'était merveilleux, c'est toujours agréable de travailler avec toi. Et est-ce merci que, au sommet. Est-ce que, voilà. Est-ce que je peux pleurer en direct? Ça a été très agréable, Patrick, de travailler avec toi. Je pense que j'aimerais faire de la production un jour. Alors, donc, on va revoir la bande-annonce de Patrick pour se mettre donc en inspiration et on revient avec vos questions et commentaires. À tout à l'heure. Bonjour à tous, de retour à cette discussion avec Patrick Bouchard. Patrick, quel regard, après donc un an de travail, quel regard tu portes sur ce qui a été fait, sur ce mandat jusqu'à maintenant? Est-ce que ça a été à la hauteur de ton espérance, de tes espérances? Je suis très satisfait, honnêtement. Je suis satisfait de ce qui en est ressorti, parce que c'est toujours stressant. Moi, ça me pose toujours beaucoup, beaucoup de stress, que ce soit une plus grosse production, plus importante, ou que ce soit pour un 30 secondes. Faut que ça soit à la hauteur, puis je voulais... faut que ce soit au sommet, pour pas faire de mauvais jeu de mots. C'était pas... Mais non, blague à part, non, franchement... Après coup, là, je regarde ça de la façon que ça s'est passé, ça s'est déroulé. En fait, j'ai tellement eu des bons collaborateurs que ça a passé là, vraiment. On ne s'est pas ennuyé. Moi, en même temps, bon, on a besoin, dans certains moments, surtout en confinement, on a besoin un peu de prendre l'air puis de voir des gens. Ça m'a permis un peu, finalement, de sortir de ma maison, finalement, puis de rentrer dans, je pourrais dire ça comme ça, presque rentrer dans ma tête, puis être capable de passer à travers ça de manière créative. C'était super agréable. Moi, écoute, c'est une belle expérience. Tout simplement, ça a été une super belle expérience. Et qu'est-ce qui se passe maintenant côté avenir, nouveaux projets? Ben pour l'instant, c'est relativement tranquille. Je suis encore beaucoup à la maison à bricoler. Je travaille beaucoup, moi, sur ma maison. Donc, on dirait que je profite du temps que j'ai ici, où on doit rester à la maison pour faire avancer certains travaux sur la maison. Donc, je fais un petit peu de rénovation à gauche, à droite. Mais pour ce qui est des projets vraiment de cinéma... Pour l'instant, c'est pas encore. Je ne peux pas dire que j'ai un projet sur la table. C'est sûr que j'ai des ambitions et des idées qui cogitent, mais bon, c'est ça. Pour l'instant, il n'y a rien que je peux dévoiler. Il y a une question qui nous vient d'un participant, d'une personne qui nous écoute. Quel conseil donnerais-tu aux cinéastes émergents? C'est un conseil que je donnerais aux cinéastes émergents. Ça paraît un peu cliché, mais je pense qu'il faut vraiment, sans s'acharner, il ne faut pas lâcher. Parce qu'on peut facilement se frapper à des portes fermées, arriver sur des portes fermées ou tout simplement, à un moment donné, avoir l'impression qu'on n'est pas écouté dans nos demandes.
Mais je pense que c'est ça, il faut simplement persévérer. Puis, moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que quand je crois en quelque chose, quand j'y crois là, fermement, quand je dis, ça je le dis souvent, mon entourage le sait, mais quand je dis que le feu prend, c'est ici, là, il fait chaud, là, puis c'est parce que bon, il y a une passion qui est là, puis tu crois en une idée. Souvent, il y a tous les éléments sont là pour la réussite d'un projet, ou du moins pour se faire entendre. Pour moi, ça se passe comme ça, mais bon, des conseils, probablement, il y en aurait des milliers et des milliers, mais bon, la chose que je dirais, c'est ça. Je pense que c'est, comme je dis, un peu cliché, mais je pense que c'est vraiment la persévérance. Ouais. Une autre question, est-ce que tu as regardé d'autres bandes-annonces pour t'inspirer? Et si oui, lesquelles? On peut élargir ça, est-ce qu'il y a des œuvres, ouais. Des films? Bon. Ben, écoute, honnêtement, pas vraiment. Je ne me suis pas allé m'inspirer là, comme directement ou indirectement. C'est vrai que j'ai regardé, je suis quand même allé sur YouTube voir, tu sais, j'ai tapé quand même... c'est ça, des bandes annonces animées, des trucs comme ça. Honnêtement, tout ce que je voyais, c'était très bien, là, parfois extraordinaire, mais ça moi, ça ne me rejoignait pas du tout. Donc, non, je suis vraiment allé par... ça s'est vraiment fait par feeling, cette affaire-là. C'est vraiment un travail là, qui regarde... Tout était là dans mon atelier, tous les matériaux étaient là pour m'inspirer. Je me suis vraiment laissé aller dans ça, puis dans ce que j'aime faire, dans ce que je sais faire. Puis c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est assez rare qu'une bande-annonce soit émouvante. Et moi, c'est ça qui m'a absolument renversé quand j'ai pris connaissance du résultat final. Parce qu'elle est conceptuellement, symboliquement très, très forte. Et ça, pour moi, c'est exceptionnel. Patrick, je crois que ça fait pas mal le tour des questions. Est-ce que de ton côté, tu aurais une autre idée, un autre conseil que tu aimerais donc émettre avant qu'on se dise au revoir? Ben, n'oubliez pas de mettre votre masque et gardez 2 mètres de distance. Sinon, écoute, c'est ça. Mais merci Marco, puis merci à la Cinémathèque québécoise. Puis bon, on va espérer que l'an prochain, on pourra s'asseoir en salle. D'ici là, il faut boire la bonne bière des sommets avec le visuel de Patrick Bouchard. Sérieusement, de mon côté, la Cinémathèque québécoise et les sommets du cinéma d'animation remercient chaleureusement Patrick Bouchard pour ce travail exceptionnel. L'œuvre qui est derrière moi, bon, on souhaite la conserver à la Cinémathèque québécoise. Je suis en train donc d'étudier la conservation, ce que ça implique, ce que ça signifie d'une œuvre comme celle-là. Nous aimerions aussi remercier chaleureusement, vivement, nos partenaires de l'Office national du film du Canada qui ont produit la bande-annonce et qui ont fait en sorte donc que cette œuvre, et j'insiste sur le mot « œuvre », puisse exister maintenant. Les sommets se poursuivent demain avec la leçon ONF sommet consacrée à Joanna Quinn et Les Mills. C'est demain à 14h. Patrick, merci encore et puis, ben écoute, à très bientôt, j'espère, cher ami. Merci. Salut. Bye.